Ah, la physiologie de l'effort, quel domaine passionnant! Comprendre ce qui se passe dans le corps humain permet d'améliorer les méthodes d'entraînement, de mieux protéger les athlètes. C'est passionnant, complexe et en perpétuelle évolution. Du coup, ça mérite de temps en temps quelques mises à jour. Par exemple, pour l'acide lactique, on s'est tous plantés. Les bons comme les mauvais. Athlètes, entraîneurs, physiologistes, profs, tous. Mais les bons, par contre, ils admettent leurs erreurs, se remettent en cause et essayent de ne plus colporter les vieux concepts erronés et les idées reçues. Donc, mise à jour pour tout le monde, juste après le générique. Salut les coureurs, je suis Sylvain Sébron, entraîneur professionnel en course à pied, avec tous les diplômes qui vont bien. Diplôme d'état supérieur en demi-fond, entraîneur running 3e degré de la FFA, entraîneur fédéral en demi-fond, DDU et 20 ans d'expérience. Et en plus, je suis épaulé par une intelligence artificielle. Salut les coureurs. Malgré tout ça, on peut dire parfois des bêtises. Il y a 10-15 ans, je disais encore qu'on produisait de l'acide lactique à l'effort, à haute intensité, lorsque l'on sollicitait l'anaérobie lactique, l'une des trois filières énergétiques. Je crois qu'il va falloir expliquer. Alors, effectivement, avant d'aller plus loin, il est impératif de rappeler ce que sont les filières énergétiques que l'on sollicite quand on court. D'ailleurs, ça commence, on ne parle plus trop de filières énergétiques qui font penser à des canaux indépendants les uns des autres, étanches, mais on parle plutôt de métabolisme énergétique ou de voie métabolique. Petite question pour vous. Qu'est-ce que le muscle utilise pour produire de la contraction musculaire? Quel carburant, à votre avis? Non, pas le sucre, glucose non plus, pas les graisses ni les protéines, bien essayé. Et c'est pas non plus le dioxygène. Prenez votre temps. C'est l'ATP, adénosine triphosphate. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Si vous voulez un petit rappel sur cette notion, je vous envoie vers cette vidéo. Vidéo sur l'aérobie dans laquelle je traite cette notion d'ATP. C'est cette molécule qui contient l'énergie et qui peut la libérer pour la contraction. C'est la seule source d'énergie pour nos muscles et pour nos cellules en général. Pour resynthétiser en continu cet ATP, l'organisme humain possède trois grandes voies métaboliques. 1. Le métabolisme de la phosphocréatine qui libère immédiatement de grandes quantités d'ATP. On dit que ce métabolisme a une grande puissance, mais avec des réserves très limitées. On dit qu'elle a donc une faible capacité. 2. Si l'effort dure à haute intensité, la glycolyse prendra le relais avec deux cas de figure. L'intensité est élevée et ce sera la glycolyse anaérobie, ou que vous connaissez peut-être sous le nom de métabolisme anaérobie lactique, qui sera donc majoritairement sollicitée. Ou l'intensité est faible et ce sera la glycolyse aérobie, ou métabolisme aérobie qui sera majoritairement sollicitée. 3. Lors des efforts de très longue durée, à faible intensité, quand les réserves en glycogène s'épuisent, on peut solliciter la lipolyse que nous n'aborderons pas ici. Ces métabolismes, d'une façon très simpliste, on les représente sous forme de réservoirs et de tuyaux. La taille du réservoir, ça indique la capacité du métabolisme, son endurance si on veut. La longueur du tuyau, son délai d'intervention, le temps qu'elle mettra à se mettre en route. Et puis le diamètre du tuyau, ça indiquera son débit ou sa puissance. Sur ce graphique, on voit bien la participation de chaque métabolisme en fonction de la durée d'un effort maximal. Par exemple, si je fais un 200 mètres à fond, je sollicite l'anaérobie alactique et l'anaérobie lactique. Si je fais un 3000 mètres, je sollicite principalement l'aérobie. Mais attention, tous ces métabolismes fonctionnent en permanence et l'effort oriente préférentiellement vers les uns ou les autres pour produire l'ATP de la façon la moins coûteuse possible et en veillant à ne pas dépasser les capacités des cellules. Cette notion donc de continuum énergétique, c'est nouveau d'il y a 10 ans. Et depuis, de nombreuses études ont encore affiné la compréhension de ces métabolismes. Et c'est important car ça a une grande influence sur la façon d'entraîner. Alors, je rentre parfois un peu trop dans les détails, mais hors de question de vous prendre pour des idiots. Je vais donc maintenant vous expliquer pourquoi ce concept d'aérobie, d'anaérobie est dépassé et comment cela fonctionne réellement dans nos cellules d'après les connaissances les plus récentes. Et dans la deuxième vidéo, qui sera en réalité la deuxième partie de celle-ci, je vous dirai tout sur l'acide lactique,
le lactate, l'acidose, etc. L'ATP est donc une molécule chargée en énergie dans ses liaisons phosphates, des liaisons à haute énergie. Et donc l'ATP libère cette énergie quand elle est hydrolysée, c'est-à-dire qu'elle est cassée par l'eau et divisée en ADP, adénosine diphosphate, plus un phosphate. On n'a toujours qu'un minuscule stock d'ATP dans nos cellules, car elle est très lourde, cette molécule. Il faudrait par exemple plus de 75 kg d'ATP pour faire un marathon. C'est vrai, alors on a un mini-stock, et puis de quoi en refabriquer en une fraction de seconde pour parer au plus pressé avec les réserves en créatine phosphate. Ça permet même pas de faire un 100 mètres à fond. L'organisme doit donc continuellement resynthétiser l'ATP pour permettre la contraction musculaire. Et c'est là que vont intervenir les autres métabolismes avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et ces métabolismes, on va les solliciter différemment en fonction de l'intensité et de la durée de notre effort. À faible intensité, l'ATP est refabriqué grâce au métabolisme aérobie. Et comme le substrat est glucose et que l'oxygène intervient en fin de chaîne, on l'appelle la glycolyse aérobie. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, sachant que j'ai fait une vidéo excellente qui est consacrée. On a fait une vidéo excellente. Oui, pardon. On a fait une vidéo excellente. Allez la voir maintenant si vous ne l'avez pas encore vue. Elle mérite le détour et elle éclaire mes propos sur la mitochondrie, tout ça, tout ça. Sachez néanmoins que pour faire un effort physique de longue durée, vos muscles vont dégrader du glucose. Comment ? Eh bien, succinctement, une fois entrée dans la cellule, la molécule de glucose est oxydée en une suite de réactions chimiques pour donner un pyruvate, puis un lactate. Dans tous les cas, ou en tout cas, au minimum 9 fois sur 10, un pyruvate donne un lactate. Cette glycolyse a lieu dans toutes les cellules et une molécule de glucose produit 2 molécules d'ATP et 2 lactates. Ça produit également du pouvoir réducteur des NAD et des NADH qui vont nous servir à resynthétiser encore d'autres molécules d'ATP. Dans une cellule oxydative des fibres dites lentes, les lactates, éventuellement un pyruvate de temps en temps, entrent dans la mitochondrie. Oui, enfin, la mitochondrie. Vidéo. Le lactate est transformé à son tour en pyruvate en fonction des besoins. Et tous ces petits pyruvates en acétyl-CoA qui entrent dans le cycle de Krebs pour produire des NAD et des FADH qui viendront activer les mini-usines qui pompent les ions H+. Les ions H+, c'est des protons, c'est ce qui produit l'acidité. Et on a besoin d'un gradient de protons pour faire tourner une petite organite qui s'appelle l'ATPase et qui assemble l'adénosine diphosphate et un phosphate en ATP. Dans une cellule dite rapide, pauvre en mitochondries, le lactate sera transporté vers une fibre lente voisine pour faire de l'ATP à son tour, ou sera transporté dans le sang pour aller vers d'autres muscles, voire même d'autres organes, le foie, les reins, le cerveau, le cœur, pour y être parfois consommé tel quel, par le cerveau ou par le cœur, ou pour être retransformé en glycogène. C'est le cycle de Cori qui a lieu dans le foie. Dans le cas général, lors du cycle de Krebs, une molécule de pyruvate produit au mieux 31 molécules d'ATP, des NADH et des FADH, du gaz carbonique, CO2, et de l'eau, issue des ions H+, qui sont transformés en eau avec des molécules d'oxygène H+. 2 oxygènes égale H2O, et ça, ça se passe au bout de la chaîne de transport des électrons. S'il y a trop d'acides, ils sont tamponnés par le sang, leur pouvoir acidifiant est donc neutralisé, et si les systèmes tampons ne peuvent plus tamponner, alors ils s'accumulent, le pH cellulaire sanguin baisse, ce qui veut dire que l'acidité augmente, et l'exercice s'arrêtera car le système nerveux central estimera que ça devient trop dangereux et que ça dépasse les limites physiologiques. Alors revenons à cette ATP. Cette molécule d'ATP produite migre vers le cœur de la fibre musculaire parce qu'il est produit dans une organite qui s'appelle la mitochondrie, donc elle migre vers la partie contractile de la fibre pour produire du mouvement. Là, elle se casse de nouveau en ADP plus un phosphate sous l'action d'une enzyme en produisant de l'énergie qui met en mouvement la fibre. La tête de myosine s'accroche sur la fibre d'actine, puis elle pivote. Ça produit également un phosphate inorganique et ça produit un ion H+, ça produit de l'acide. Vous voyez que toute dégradation d'ATP produit des acides, même en aérobie. Et vous pouvez mettre tout l'oxygène que vous voulez, l'ATP qui se transforme en ADP produit de l'acidité. L'acidité vient uniquement de là, avec ou sans oxygène. Dès le départ,
et à n'importe quelle intensité. Et plus on hydrolyse de grandes quantités d'ATP, plus on fait un effort intense et prolongé, plus on produit d'acidité. Tant qu'il y a assez de dioxygène pour prendre en charge les ions H+, les protons, on reste donc dans un métabolisme à dominante aérobie. S'il n'y a pas assez de dioxygène, on sollicite alors préférentiellement la filière anaérobie lactique, ou préférez plutôt le terme de glycolyse anaérobie, ce qui évite d'utiliser le mot lactique, adjectif se rapportant à lactate, mais qui peut nous induire en erreur avec l'acide lactique, et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je disais donc, si le dioxygène vient à manquer dans les cellules ou dans certaines cellules, car l'intensité de l'effort est trop élevée, alors la chaîne de transport des électrons ne parvient plus à neutraliser toute cette acidité, on l'a vu, hein, en transformant tout simplement les acides en eau. On l'a déjà dit. On l'a dit, mais je le répète, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Les systèmes tampons du sang deviennent alors le dernier rempart à la montée de l'acidité jusqu'à ce que... Donc dans les premières secondes de l'exercice, on va solliciter le métabolisme de la créatine phosphate. Puis pour resynthétiser l'ATP, en fonction de l'intensité de l'effort, la glycolyse aérobie ou anaérobie. Mais jamais, retenez ça, jamais exclusivement l'une ou l'autre. Il faut donc voir ça comme un continuum énergétique qui adapte le mélange en fonction des besoins, et pour faire ce mélange, on a un ordinateur très très performant. Dans tous les cas, on a d'un côté production de lactate, la glycolyse, d'un côté, et d'ion H+, de l'acidité, qui se produit lors de la dégradation, l'hydrolyse de l'ATP. De l'autre côté, on ne mélange pas. Dans un organisme vivant, il n'y a jamais d'acide lactique, jamais. Le produit terminal de la glycolyse aérobie, c'est du gaz carbonique et de l'eau. Le produit terminal de la glycolyse anaérobie, c'est des lactates. Et un lactate, c'est une base, ce n'est pas un acide. Alors il y a 10 ou 15 ans, quand on regardait au microscope et qu'on trouvait des lactates et des acides, on estimait que c'était de l'acide lactique, mais que parfois il était séparé de son acide. Non, c'est pas la même chose. Acide d'un côté, lactate de l'autre, et jamais d'acide lactique. Donc est-ce que le lactate va faire des trous dans mes muscles, va me donner des courbatures, tout ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, le devenir du lactate et la prise en charge des ions H+, donc de l'acidité. Vous l'aurez compris, le lactate, pas un déchet, c'est donc la meilleure façon qu'a trouvé l'organisme humain pour transporter l'énergie sous une forme stable et pouvoir la transférer entre les fibres, entre les muscles, entre les organes. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu donc sur le fonctionnement des différents métabolismes. Et dans la prochaine vidéo, vous en saurez donc plus sur les lactates, l'acide lactique et sur toutes les implications que cela peut avoir sur l'entraînement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Allez, salut les coureurs !